Bonjour Redouane, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons prendre page 48, partie numéro 2, la lecture. Donc, s'il vous plaît, ouvrez vos livres, page 48, 48, open your books, page 48, ok? And write the date here, 24-3-2020. Pardon, 25-3-2000, d'accord? Oui. Leçon 2, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, that's what the meaning of. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce means what? Qu'est-ce que c'est? What is this? What is this? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. Et ça, c'est une gomme. Et ça, un vest, c'est une règle. Et ça, c'est un taille crayon. Again, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. Et ça, c'est une gomme. C'est une règle. Et ça, c'est une règle. Et ça, c'est un taille crayon. D'accord? Maintenant, la lecture. Répétez avec moi, c'est un stylo rouge. C'est un stylo rouge. C'est un stylo bleu. C'est un stylo bleu. C'est un stylo vert. C'est un stylo vert. C'est un stylo vert. C'est un stylo noir. C'est un stylo noir. Comme ça. D'accord? Let's take the colors. Les couleurs. Rouge. Rouge. Bleu. Bleu. Vert. Vert. Noir, noir, blanc, blanc, jaune, jaune. Ok, d'accord. Grade 1, please open your copy and write the words. Aujourd'hui, c'est 25, 3. Ok. Rouge, répétez, rouge, jaune, bleu, rose, vert, violet, extra, orange, brun, noir, blanc, d'accord? D'accord, maintenant, let's listen to the video. Où est la couleur rouge? Où est le rouge? Excellente. Où est la couleur jaune? Excellente. Le bleu.
Oui, la colère verte. La colère verte. Rose. Maintenant, grade 1, listen to me. As you know in French, we have masculine and feminine. Masculine words and feminine words. Masculin et féminin. You have masculine and feminine for nouns. Also, in the adjectives or the colors, with colors, we have masculine and feminine. It's not like English. It's English, red bag, red bin. All of them are the same form of the color. But in Arabic, you know, in Arabic, نقول تنورة بيضاء ولا تنورة أبيض؟ تنورة بيضاء. صح؟ والقلم أحمر ولا قلم حمراء؟ قلم أحمر. صح؟ يبقى الـ adjective should be matched with the noun that it describes. يعني colors تعتبر describing words. صح كده؟ Describing words. So, I have two forms for the colors. Rouge, masculin, rouge, féminin. Jaune, masculin, jaune, féminin. Vert, masculin, verte, féminin. Bleu, masculin, bleu avec E, féminin. Noir, masculin, noir, the same pronunciation but add E. Noir, féminin. Blanc, masculin, blanche, féminin. D'accord? Rouge, rouge, jaune, jaune. Vert, verte. Bleu, bleu. Noir, noir. Blanc, blanche. Un stylo. Vert. But how can you know I will use this this color or that one? You will through d'après l'article. C'est l'article 1, so you will choose masculin. Rouge, jaune, vert, bleu, noir, blanc, vert. Ingham, ingham, article féminin. Ingham, verte. Ingham verte. Exercise, un crayon noir ou noir. Un crayon noir ou noir. Un noir sans E. Une règle, bleu ou bleu. Une règle, bleu ou bleu. Une règle, bleu. Parce que c'est un mot. C'est un mot. Hein? Féminin. Un stylo. Un stylo plan en planche. Un stylo plan en planche. Un stylo plan. D'accord? Comme ça. Merci beaucoup, Grade 1, et à la fois prochaine, Inch'Allah. Au revoir.